Je meurs d'envie de voir ce film. Et si tu venais avec nous? J'aimerais bien, mais maman ne me permettra jamais d'y aller seule. Tu n'iras pas seule, on y va ensemble. Peu importe, elle ne me permettra jamais d'aller au ciné sans un adulte. Adulte? Pour moi, tu es déjà une adulte, Tania. À 17 ans, tu n'es pas majeure, rappelle-toi. Mais c'est choquant que tu sois traitée comme une enfant chez toi. Quant à moi, je suis libre de faire tout ce que je veux. En tout temps et en tout lieu. Tout le temps. Elle arrive. Bienvenue, maman. Bienvenue, madame. J'ai comme l'impression qu'elle est mécontente. Tania, viens, s'il te plaît. Donnez-moi une minute. Oui, maman. Qui est ce garçon? Oh, c'est le petit ami de Lydia. Le petit ami de Lydia? Mais à quel âge? J'ai toujours su que cette petite est une pourrie gâtée et une mauvaise influence. Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Et la ferme. Tu penses que je ne sais pas que tu essaies de la couvrir? Je ne la couvre pas, maman. Reste bien loin de cette fille. Je ne veux pas la voir ni autour de toi, ni autour de cette résidence. Tu vas un peu loin, maman. Et tiens-toi tranquille, très chère. J'irai aussi loin que possible pour te protéger. Maman. Pas besoin de ça. Surtout, reste bien loin d'elle. Ok? Maintenant, monte. Maman, oh. À l'étage. J'ai hâte qu'on soit le jour de l'examen pour exprimer mes compétences. Comme si tu avais le choix. Je te tuerai de mes mains si tu me ramènes une mauvaise note. Dont je devrais avoir peur maintenant. Bien sûr. Pour quelqu'un qui n'a jamais levé la main sur moi avant. Il y a toujours une première fois. Et tu le sais, n'est-ce pas? Je sais que tu seras fière. Parce que je suis sûre de moi. Que ce soit ça. De toute manière, finis ce que tu fais et rassure-toi de bien te laver les mains. Salut. Vraiment? Oui, je suis à la maison. Ok, j'arrive. Maman, je te verrai plus tard. Me voir plus tard? Ah, oui. Et à qui laisses-tu cette viande? Tu es ma super maman. Et je sais que tu peux gérer ça. À plus. Hé, hey, Tania, reviens. C'était qui au téléphone? Un ami spécial. À plus, maman. Comment tu vas? Je vais bien. Viens t'asseoir pendant que je t'apporte un verre. Quoi? Comment
penses-tu? Comment as-tu ramené un homme chez nous? Quelque chose ne va pas chez toi? Maman! Un mot de plus de ta bouche et je fais descendre le ciel sur toi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est de ma faute. Sortez! Non, maman, tu ne peux pas renvoyer mon invité. Veux-tu que je t'en colle une autre? Hey! Tu Mais pourquoi tant de bruit? Grand-père, maman m'a Qu'est-ce frappé. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Hors de la Tania, je le ferai encore et encore et pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Oh. Mais papa, elle n'a que 17 ans, elle a déjà des relations avec les hommes. Comment ose-t-elle? Pourquoi devrait-elle ramener des hommes chez nous? Calme-toi. Je ne peux pas le tolérer. Ok, calme-toi, ok? Jeune homme, je te présente mes excuses, ok? Prends place, assieds-toi. Et toi, apporte rapidement quelque chose pour ton invité. Mais papa... Du calme. Si tu sais ce qui est bien pour toi, demande à ce garçon de quitter cette maison! Maman, tu exagères. Alors, jeune homme, quel est ton nom? Sean, monsieur. Sean et Canel. Ah, et Canel. Oui, monsieur. Ok, ça, les défis. Ouh. Et Bibi, c'est fric, monsieur. Ah, et fric, tu es fric. Comment oses-tu me répondre? Veux-tu que je te colle une autre? Tu penses que je plaisante? Maman, je ne suis plus une enfant. Je t'ai prévenu, Tania. J'ai prévenu. Alors... Mon père, c'est lui la cause de tout ça. Oui, depuis plus de 6 mois. Ah, 6 mois. Oui, monsieur. Vous connaissez déjà depuis un moment. Oui, monsieur, merci. Ah, je vois. Alors, Sean, que fais-tu dans la vie? Je viens juste de recevoir ma lettre. Ah, oublie ça, pardonne mes manières. Je ne devrais pas creuser dans ta vie ici. Tu sais, en te regardant, je ne pense pas que tu sois déjà marié. Pas du tout, monsieur. Ah, c'est bien, c'est bien. Ne te dérange pas, tu vieux curieux que je suis. Je pense que je dois vous laisser, encore vous les amoureux. Mettez-vous à l'aise. Sois le bienvenu encore une fois de plus. Merci, monsieur. Je t'en prie. Merci beaucoup. Hey, ton grand-père m'a fait paniquer. Tu n'as encore rien vu de lui. Es-tu sérieuse? Oh que oui. Il me réserve d'autres questions. Cette table est beaucoup trop silencieuse. Chad, il est inapproprié de parler quand on est à table. Papa, je te connais très bien. Je sais quand tu veux détourner le sujet. Arrive-t-il de te taire? Ma chérie, je pensais que tu allais proposer à ton invité de rester dîner. Sean a eu sa dose d'humiliation. Hein? Humiliation? Y a-t-il un problème? Est-ce que tu as un petit ami que ta mère n'apprécie pas? Vas-y, dis-moi. Une minute. Nouveau copain? Oh. Serette, je sais que tu vis au Moyen-Âge, mais allez, cette fille a juste ce qu'on appelle du cran. Tape-la. Ok. Je le savais. Je le savais. Tania a tout passé en revue et son grand-père ici présent l'encourage. Toutes mes félicitations, tu fais du bon boulot.
Papa est un homme très sage. Nous devons juste l'écouter et manger en silence. Il doit être très très beau. Hein? Parle-moi de lui. Sean est juste un ami, tata. Ah ah, Sean. Tu vois, c'est seulement les beaux gars qui s'appellent Sean, Peter, Michael. Tu vois, c'est beau. C'est pas juste un ami. Tu peux tout me dire. Je suis pas comme ta mère. Mais c'est vrai, tata. Maman ne se soucie même pas de... Chérie, il n'y a pas de péché à ce que tu aies un petit ami. En plus, oui, tu as 17 ans. Ça, c'est l'étape dont tu as besoin pour t'amuser, explorer, prendre des risques pour que, quand tu auras 18 ans, que tu sois assez forte pour conquérir le monde. Quand j'aurais aimé que maman t'entende dire cela. Et s'il te plaît, ne dis pas à ta mère que je t'ai parlé ou tu veux que je sois dans les problèmes. Je ne veux juste pas que quelqu'un te prive de ce droit de vivre. Je veux que tu explores, que tu aies de l'affection et de la romance. Pourquoi, papa? Que veux-tu dire? Mais pourquoi tous ces changements soudains? Où sont passés tous ces interdits que je m'infligeais quand j'avais l'âge de Tania? Soudainement, tu l'encourages à fréquenter des garçons. Mais papa... Prends place. Je n'ai pas besoin de ça. Réponds-moi juste. Ajoki, pourquoi n'arrêtes-tu pas de t'en vouloir autant pour les erreurs du passé? Écoute, dans la vie, il y a des situations qui peuvent sembler similaires. Mais quand on y regarde, tu réalises qu'elles ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, regarde ta fille. Elle est tellement brillante et surtout magnifique. Alors papa, comme ça j'ai été très stupide dans ma vie, que tu n'as pas voulu me donner une seconde chance. C'est bien cela? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de forcer ta fille à vivre sous ton ombre? Laisse-la en paix. Mais papa, tu es exactement la personne qui la force à vivre sous mon ombre. En l'encourageant à faire les mêmes erreurs que tu m'as reprochées il y a longtemps. Mais Tania, c'est quoi cet habillement? C'est quoi ça? Tu le vois juste maintenant? Je l'ai porté toute la journée. Peut-être que je n'avais pas bien regardé. Visiblement, je n'avais pas bien regardé. Maintenant, monte et change-toi. Mets quelque chose de décent. Maman! Maman, je ne comprends pas. Tous mes vêtements sont ainsi. Oh! Alors tu devras changer ta garde-robe. Maintenant, monte et change-toi. Mais c'est à toi que je m'adresse? Oui. Ok, je viendrai prendre tout une fois. Quand tout aurait été bien vérifié. Bien, rappelle-toi, je te l'ai dit, ceci m'est vraiment très cher. Alors, je veux que tu vérifies pour te rassurer que tout est OK. OK. Ne te précipite pas. Prends ton temps et vérifie. Et après, rappelle-moi. OK? Merci. Bye. Wow, jeune fille. Tu es magnifique. Merci. Alors,
Où allons-nous? Je vais voir Sean. Ah, Sean. Ok. Alors, est-ce que ta mère au courant? Grand-père, tu sais qu'elle n'acceptera jamais. Eh bien, tu devrais lui demander. Tu as besoin de sa permission pour sortir. Hmm? Vas-y, va là-haut lui parler. Monte. Allez, monte. J'allais vers ta chambre. Tu venais dans ma chambre à bien ainsi? Tu as raison. Je venais te dire que je sors. Ah. Tu sors et pour où? Pour voir une amie. Ah, d'accord. Et cette amie n'a pas de nom? Hmm? Alors tu ne parles plus? Tu as perdu ta langue ou quoi? Très bien. Comme cette amie n'a pas de nom, tu n'auras pas ma permission pour aller voir ton fantôme. Maman, j'essaye de toutes mes forces de ne pas te mentir. C'est Sean, n'est-ce pas? Oui, maman. Et tu as le courage de venir me dire que tu vas aller voir un homme. Tania, je veux dire... Qu'est-ce qui se passe avec toi? Maman, je ne sais pas ce que tu penses de Sean, mais il n'est pas une mauvaise personne. Ah. Donc maintenant, toi, tu en sais plus sur les hommes que moi, ta mère. Vas-y, donne-moi des cours. Je te suis tout de suite. Maman, s'il te plaît. Donc Sean manipule déjà ma fille pour qu'elle me désobéisse? C'est ça? Eh bien, Tania... Sache que ma réponse est non. Et je ne veux pas te voir traverser ce portail. Tu n'iras nulle part. Je t'ai dit qu'elle ne va pas accepter. Tu sais que ta mère t'aime. Et elle a toujours été là pour toi. Pourquoi me contrarie-t-elle toujours quand c'est avec le sexe opposé? Mon amour, ne me dis pas que tu ne sais pas pourquoi. Tu ne connais pas les circonstances de ta naissance. Et comment vous deux, vous avez fini sous ma garde? Non, non, ce n'était pas de ma faute. Je sais. C'est tout à fait vrai. Mais dis-moi, ce jeune-là, parle-moi de lui. Tu sembles l'aimer. Je l'aime tellement. Ah. Je savais. Je l'avais dit. Hein? Je savais que tu montais qu'il était juste un ami. Oh. Je l'avais dit, n'est-ce pas? Chad. Monsieur. Chad. Papa. Tu sais choisir le mauvais moment pour tes blagues. Peux-tu nous laisser seuls maintenant, s'il te plaît? Ok. Je n'accepte pas. Je ne vais pas accepter ça. Ah. Eh bien, tu sais qu'elle a raison. Elle a raison. Tu as caché cette relation à tout le monde. Même il n'y avait aucune relation, grand-père. J'ai juste... réaliser récemment ce que je ressens pour lui. Vraiment? Comment se fait-il? Sean a toujours été là pour moi.
Il m'a même durement aidé à préparer mon examen. Tout cela en secret? Tu sais comment est ma mère. Elle n'aime pas voir les gars autour de moi. Alors, tu l'as trouvée ennuyeuse. Maman doit comprendre que je ne suis plus une enfant. Vrai. Alors, as-tu déjà couché avec lui? Grand-père! Ce n'est pas une réponse. Je pense que c'est personnel. Pour te répondre, je dirais non. Ok. Eh bien, je pense que tu devrais partir maintenant. Tu ne devrais pas faire attendre, Sean. Vraiment? Je peux partir? Vas-y. Ah, merci, grand-père. Surtout, sois prudente. D'accord. Tania, rassure-toi de ne pas traverser ce portail. N'ose même pas. Désolée, maman. J'ai la permission de grand-père. Grand quoi? Rassure-toi de ne pas traverser ce portail. Plus, ma n'ose même maman. Pas. Tania! Tania! Reviens ici! Incroyable. Quelle audace! Mais c'est quoi cette histoire? Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce bruit? Cet homme est méchant! Cet homme est méchant! Ce n'est plus mon père! Nous n'avons qu'un seul père. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Quel genre de père ne pense qu'à faire du mal à sa propre fille et sa propre petite fille? Qui fait ça? Comment peux-tu être aussi dur? Je dirais tout ce que je veux dire à propos d'un homme qui veut pousser délibérément sa propre petite fille à s'autodétruire. Mais qui fait ça? Peux-tu imaginer que papa lui a permis d'aller voir le même homme que je lui ai interdit de voir? Tania avec Shaun? Seul Dieu sait ce qu'il faut actuellement. Non, Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que papa a fait est mal. Tania n'a que 17 ans et elle peut être facilement influencée et manipulée. Effectivement. Je lui ai pourtant dit que je n'avais pas confiance en ce garçon. Pas du tout. Et s'il abandonnait, comme son père l'a fait avec moi, qu'est-ce que je deviendrais? Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma petite fille? Oh mon Dieu. Ah. Sachant très bien ce que je suis devenue. Oh, Léon, il encourage. Sachant ce qui m'est arrivé, pourquoi il encourage à faire la même bêtise? Maintenant, je comprends ce par quoi t'es passé. Je suis vraiment désolée. Nous n'accepterons plus un autre bâtard dans cette famille. Oh, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas t'offenser. Excuse-moi, grande sœur. Oh. Je jure de me battre avec tout ce que j'ai de plus cher et qui fait de moi sa mère. Elle ne finira jamais comme moi. Non, je ne le permettrai jamais. Je vais t'aider à ce sujet. J'ai une solution. Qui est-ce? Je connais un bon détective privé que nous pouvons engager et qui nous aidera à trouver tout ce que nous voulons savoir sur ce Shaun. Et comment tu veux procéder? Je dis, une fois que nous aurons toutes les preuves à utiliser contre lui, Tania ne l'aimera plus. Elle sera contrainte à le laisser tomber et ça, ce sera à notre avantage. Thank you.
Merci pour ces moments. Le plaisir est partagé. J'aimerais pouvoir t'inviter à boire un verre. J'aurais adoré rendre visite à ta famille. J'aurais adoré ça. Mais t'inquiète. Pourquoi ce petit sourire? Quel sourire? Je t'ai vu sourire. Je t'appelle plus tard. D'accord. Ok. Je t'aime. Gare. Quel gare? Ton petit ami. Il est parti, Tata. Mon Dieu. Bonsoir, maman. Tania, monte. Fais tes valises. Nous partons de cet endroit immédiatement. Nous partons? Oui. Je suis désolée. Je ne vais nulle part avec toi, maman. Tania, je ne suis pas d'humeur à discuter. M'as-tu entendu? Ce n'est pas comme si tu avais le choix. Alors monte et va faire tes valises. Non, maman. Je ne suis plus une enfant que tu peux contrôler à ta guise. Oh, et maintenant tu peux te placer devant moi et me répondre? Tu n'as pas de choix, Tania. Monte rapidement et fais tes valises. Arrête. Maman, je ne vais nulle part. Arrête. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Je n'ai pas de problème avec toi, s'il te plaît. Reste en dehors de ça. Je ne peux pas rester en dehors de ça. Elle n'ira nulle part avec toi. À moins qu'elle ne le veuille elle-même. Papa, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur pour cette scène. Je ne le suis pas. Je ne te laisserai jamais t'interposer entre ma fille et moi. Je ne peux pas. Ashoké, qu'est-ce qui ne va pas exactement avec toi? Hein? Maintenant, écoute-moi. Ramène ta valise à l'étage et rafraîchis-toi, toi, dans la chambre. Allez. Allez, allez. Papa. Papa. Ashoké. Tu me poses vraiment très à bout, là. Papa. Ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Ok? C'est pas possible. Tania! Tu m'as pas dit comment était ton rendez-vous. Tata, je ne sais pas quoi te dire. Tu as toujours cette façon de déformer les mots. Ah, moi? Eh bien, vu le visage que tu faisais, j'ai su que ça s'était bien passé. Alors, pourquoi demandes-tu? Parce que je suis ton amie, je suis pas juste ta tata. Et même si ta maman ne l'approuve pas, je veux que tu suives ton cœur. Tu veux dire que tu me soutiens? Mais bien sûr, l'amour est trop rare de nos jours. C'est pas facile de trouver l'amour, sinon j'en aurais beaucoup, beaucoup. Ou tu trouves que je suis pas suffisamment belle? Oh, Tata, merci beaucoup. Cela signifie beaucoup pour moi. Je veux juste que tu vives pleinement ta vie. T'es une belle fille.
Ta mère est juste jalouse parce que t'as un petit ami pendant qu'elle n'en a pas. Grande sœur, ta fille est extrêmement têtue. Oui, j'ai essayé de lui faire entendre raison, mais j'en ai eu ma claque. J'en ai marre. Yo mec, c'est quoi cet embrouille? Pourquoi c'est à elle de m'informer de tout ça? Et pourtant, je t'ai appelé. Et non pas toi. Bien sûr que je t'ai appelé, frère. J'en suis sûr. Comment ça, tu m'as appelé? Tu peux demander. Demande à ma meuf. Il l'a fait. Et lorsqu'on est allé au cinéma... Et toi donc? Tu m'as appelé. Pourquoi? Hein? Embrasse-moi. Ben, tu es un petit menteur. Un instant, bébé. Tu es un petit menteur. Oh, bébé, je reviens. Et mec, alors, ça se passe bien mais avec elle? Tu sais, c'est une fille bien. Je sais. C'est une fille bien. Mais sois sérieux. Je peux voir comment vous vous enlacez. Ce n'est pas juste une relation ordinaire, n'est-ce pas? Eh oui. Sean et moi avons finalement déclaré nos sentiments. Maligne, toi. Je pensais que tu allais rester la petite Sanito jusqu'à ce que tu... Dieu m'en réserve. J'en mourrai. Je l'aime tellement. Vous l'avez... Quoi donc? Oh, sois pas naïve. Tu sais bien. Le truc qui rend les ados adultes. Je ne suis pas naïve. Et je pense que... C'est quelque chose que je devrais garder pour moi. Je vais moi. Te donner un petit conseil. Retarder est risqué. Si tu ne lui donnes pas la chose maintenant, alors qu'il est excité, il ira voir ailleurs. Merci, madame la conseillère. Pas étonnant que ma mère te considère comme une vilaine. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Quoi? Tu es tellement fou, tu sais. Tu es fou. Hein? Oui, oh, tu l'es. Tu inverses les rôles. Tu es là, tu crois. Oui, passez Henri. Henri? Il doit traîner quelque part, je ne sais pas. Il est quelque part. Alors, vous l'avez fait? Que veux-tu dire par là? Ne sois pas timide. Petite curieuse, arrête. Désolée d'avoir mis si long. Y a pas de quoi. Sean, qui est-elle? C'est une amie. Pourquoi? Une amie? Tu ne nous la présentes pas. Allez, Lydia, je ne sais faire le nécessaire. Ok, les filles. Je pense que je vais devoir vous laisser. N'oublie pas de m'appeler pour parler de ce que tu sais. Bien sûr que je t'appellerai. Prends soin de toi. À plus, champion. Petite folle. Qui est-elle? Pourquoi cette curiosité? Bibi, pouvons-nous aller ailleurs? Oui, ça va. Tu vas bien? Alors, allons-y. Bonsoir, maman. Reviens ici. D'où viens-tu et habillée ainsi? Je suis allée à la plage. Tu es allée à la plage? Regarde comment tu t'es transformée en une prostituée. Regarde-toi. Et tu penses que je vais croiser les bras et te voir t'enfoncer sur mon cadavre?
Je te déteste tellement, maman. Tu sais quoi? Sean et moi, nous nous aimons. Et il n'y a rien, absolument rien que je puisse faire. Alors commence à t'y habituer. Qu'a-t-elle dit? Tu as couché avec lui? Maman, ce ne sont pas tes affaires. Bien sûr que ce sont mes affaires. Allez, déshabille-toi. Je ne me déshabille pas, maman. Tu m'as entendu? Déshabille-toi rapidement. Je dois vérifier que tu n'es pas enceinte. Maman, même si je suis enceinte, c'est ma croix à porter, non la tienne. Vu que tu le veux ainsi, nous saurons aujourd'hui qui est la mère, si c'est toi qui es la mère ou le contraire. Je dis découpe-le maintenant. Maman, je ne veux pas. Et dis maintenant. Ah! Maman, tiens, laisse-moi ça. Tranquille. Tiens, ça. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ah! Aïe! Maman! Dépêche-toi, dépêche-toi. Maman, maintenant, non, maintenant. Maman. Rapidement. Sais-tu que je peux aussi bien t'écraser aujourd'hui et mettre fin à la misérable vie que je prévois pour ma fille? Madame, s'il vous plaît, comprenez-moi. J'aime vraiment votre fille. Mensonge. Vous, les hommes, vous êtes tous pareils. Tu veux juste avoir des sensations avec ma fille et la laisser tomber lorsque l'occasion se présentera. C'est bien cela? Non, pas du tout. Permettez-moi de m'exprimer. Arrête-moi ça. Quoi que tu veux dire, garde-le pour toi. Je ne suis pas intéressée. Je suis juste venue te prévenir. Reste loin de ma fille, Tania. Je suis décidée à sécuriser son futur. Et tu seras la dernière chose à vouloir m'en empêcher. Je te le dis, tu es prévenu. Bonjour, grand-père. Ah, enfin debout. Je vais bien. Tu me demandais à quelle heure tu allais te lever. J'ai dormi tard dans la nuit. J'avais de très violents maux de tête. Oh, désolé. J'espère que tu vas mieux maintenant. Je n'en suis pas sûre. Ok, je te dirai quoi faire. Quoi donc? Tu boiras un grand verre d'eau. Et puis, tu te feras un thé chaud, ok? D'accord, grand-père. Mais tu peux d'abord faire mon café. D'accord. J'arrive. J'aime ce sourire sur ton visage. Papa. Tu as toujours été ici. S'il te plaît, arrête. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et c'est bien vrai. Grand-père, le repas est prêt. Ah bien. Où est ta mère? Ne vient-elle pas dîner avec nous? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Elle ne me parle pas. Et ça me va. Attends, tu es à l'aise de ne pas parler à ta mère? Elle me considère comme un tas de stress. C'est de l'insolence. Et c'est inacceptable dans ma maison. C'est ta mère. Alors, tu dois lui accorder tout le respect. Tu comprends cela? Mais je ne peux pas la forcer à me parler si elle ne veut pas. En tant que mère, elle peut avoir sa façon à elle de faire pour te mettre du bon côté. Mais sache qu'elle ne pourra jamais devenir ton ennemi.
C'est de ta responsabilité de faire savoir maintenant à ta mère que tu es maintenant adulte, que tu pourras gérer la situation dont elle a peur qui pourra t'affecter. Maintenant, va l'appeler. Nous l'attendons pour cette fois. Vas-y, informe-lui. Cette histoire de mère et fille dans cette maison, ça commence à me fatiguer. Si quelqu'un t'écoute maintenant, Jacques, il croirait que tu fais des efforts pour qu'il y ait la paix en Crète. Je l'ai fait, non. Disons juste que je ne veux pas trop m'immiscer. Tu vois, dans les problèmes des gens, avant que les gens commencent à me pointer du doigt et dire que je suis la cause de leurs problèmes. Jade. Maman, tout le monde attend en bas pour passer à table. Maman. Mais, papa, en y réfléchissant, en quoi est-ce que cela me concerne? Je ne voulais pas te manquer de respect. Maman, s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses comprendre. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman. Maman, s'il te plaît. J'arrive. Salut. Grande sœur. Qui est-ce? Salut. Salut. Attendez. J'espère que vous n'êtes pas là pour ma nièce. Oh, désolé. Je m'appelle Donald. Je suis ici pour parler à votre sœur, Ajoké. Ok. Oh. Vous êtes le père de Tania? Eh bien, je pense que oui. Écoutez, monsieur. Vous ferez mieux de partir de cette maison avant que mon père ne vous voie. Ce ne sera pas beau du tout. Ah non. Je vous ouvre la porte. S'il vous plaît, partez. Vous êtes sourd? Quoi?
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune fille? Pourquoi cette mine? Allô? Oui? Hein? Ok. C'est mieux de ne pas te voir. Mais c'est pas possible. Tu veux dire que Sean... Je suis désolée, grande sœur. Le détective vient de me l'envoyer et... Vu le contenu, je pense qu'il n'a rien voulu me dire. Mais qu'a-t-il fait de la fille? Il l'a violée. Ses parents le savent, mais ils le couvrent. Non. Alors Sean, c'est un meurtrier? Et dire que j'ai toujours encouragé Tania à poursuivre cette relation. Quoi? Sean, pourquoi? Grande sœur, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais comme tu peux être têtue. Il n'y avait aucun moyen de te faire savoir que Tania avait besoin d'une vie. Sa propre vie. Oh. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, grande sœur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Incroyable. Où est Tania en ce moment? Je ne sais pas. Comment suis-je? Tu ne... Comment suis-je censée savoir? Elle est partie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux juste disparaître en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'irai à la plage. Pourquoi? Alors, je ne peux pas aller à la plage quand j'en ai envie. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oh, Sean. Nous sommes allés il y a deux jours et tu vas encore y aller. Bien sûr que je veux aller. Je veux aller m'amuser. Donne-moi un peu d'argent. Je n'en ai pas. Oh, donne-moi l'argent, Sean. Je n'ai pas d'argent. Tu en as. Je n'ai pas d'argent. Oui, tu en as. Donne-moi l'argent, s'il te plaît, Sean. Donne-moi l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas. Allez. Tu ne vas pas me faire ça quand même. Allez. Sean, allez. Bébé, attends. Hey. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux voir comment tu es occupée pendant que je m'inquiétais de savoir pourquoi je ne prends pas mes appels. Bébé, écoute, ce n'est pas ce que je pense. Ferme-la. Tania, Tania. Tania, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi! Maman, est-il vraiment mon père? Mais grand-père a toujours été ton père.
pourquoi devrais-tu te soucier de cet inconnu? Dis-moi la vérité, maman. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces bruits que j'entends depuis ma chambre? Qu'est-ce que c'est? Hein? Papa, est-ce que tu peux croire que ce Donald a le courage de se pointer dans cette maison? Donald? Quel Donald? Ce Donald! Celui qui avait enceinté à Joker, rappelle-toi. Quoi? Alors c'est vraiment mon père? Tu le connais? Je dois le voir, grand-père. Non, Tania. Tu n'as rien à voir avec ce monsieur. Ah, Joker ne dit pas ça. Il n'y a rien de mal à écouter ce qu'il veut raconter. Écoutez les filles, je ne vous impose rien. Mais il n'y a pas de mal à communiquer. Écoutez ce qu'il a dit. C'est pour cette raison que tu pleures? Non, grand-père, je ne me trompe. Mince. Désolée. Peu importe. Tu n'as rien à voir avec un violeur et un menteur. Ah. Monsieur. Tenez, voici votre cocktail. C'est très confortable ici. Je vous en prie. Tu viens de temps en temps. Oui, ça l'est. J'espère que cet endroit magnifique te convient. C'est agréable ici. Tu aimes ton jus? Oui, c'est très bon. J'en étais sûre. Dis-moi, tout va bien, ma puce? Ma puce? Joyce? Mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Ma puce, voyons, calme-toi. Tu dois te calmer, d'accord. S'il te plaît. J'aimerais tout d'abord vous remercier. Oh merde. Merde. Que se passe-t-il ici? C'est la même femme qui m'avait harcelée? Désolé, c'est mon ex-femme. Je le savais. Je le savais, on n'aurait pas dû venir avec toi ici. Tania? Écoutez, pourquoi ne pas aller ailleurs? Du calme. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas. S'il te plaît, calme-toi. Je reviens. Lève-toi, on s'en va. Alors, petit ingrat. C'est à cause de cette pute que tu m'as quitté. Attends. Calme-toi. 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 Tu okay. n'as pas à me Nous dire de me calmer. Donald, comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies? Donald, quand j'en aurai terminé avec toi, tu sauras à quel point il est difficile de se sentir trahi. Ma puce, tu dois te calmer, ok? S'il Je te suis plaît. Calme. Maintenant, tu sais quel genre de personne est ton père. Maman, je ne comprends pas. Est-ce ainsi que sont tous les hommes? Je pensais que tu en savais plus sur les hommes que moi. Maman, je suis désolée de t'avoir désobéi. C'est pas grave. Eh bien, je vais te dire une chose. Il y a quelque chose en chaque homme qui met en confiance. Ne l'oublie jamais. Allons-y. Je peux comprendre que je ne te trompe.
c'est la nature de tout homme. Mais être meurtrier, c'est choquant. Je ne pouvais pas croire jusqu'à ce que je voie une photo détaillée d'un détective privé engagé par ma tante. C'est flippant. Il a l'air si innocent. Et j'ai appris cette leçon de ma mère. Il y a quelque chose chez les hommes qui nous distrait toujours. Tania. Je pense t'avoir dit de rester loin de moi. Écoute, s'il te plaît, tout ce que je demande, c'est de me donner une chance de t'expliquer les choses. Expliquer quoi? Que tu es aussi un meurtrier? Ou tu pensais que je n'allais pas être au courant? Écoute, reste loin de moi. Tania, écoute! N'y pense même pas. Je n'encouragerai jamais mon ami à être avec quelqu'un de dangereux comme toi. Regarde, c'est mieux que l'autre. Tu me cherches les ennuis, toi. Mais regarde, vu que je te dis qu'il est mieux que l'autre. Tu le fais toujours. Je ne te cherche pas. Comment? Tu sais que je suis une fouteuse de troubles. Arrête avec ça, s'il te plaît. Regardons celle-ci. Je n'ai pas besoin de ça. Ah, qui ça peut être? Tu attends encore quelqu'un? Eh non. Que dire de toi? Salut. Que faites-vous ici? Hein? L'embarras que vous avez causé à ma sœur et à ma nièce ne suffisent pas. Mm-mm. Et vous avez le courage de venir jusqu'ici. Pourquoi? Je veux juste parler à ta sœur. Si vous voulez ce qui est bien pour vous, vous ferez mieux de quitter cette maison, sinon je vous donne une leçon. Je ne suis pas venue pour des disputes. Je veux juste vous parler, rien d'autre. Vous voulez vous excuser? Chut, ça va aller. Laisse-la parler. Grande sœur, juste une fois. Reste calme, ça va aller. Ok. Allez-y. Sincèrement, allez-y. Je n'ai rien à vous dire. Ton Donald a gâché mon passé. Et mon passé, je l'ai laissé bien loin derrière moi. Je ne sais pas qui vous êtes et quoi que vous ayez avec lui, mais s'il vous plaît. Tout ce que je vous demande, c'est de lui dire de nous laisser tranquille. Ok? Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé la dernière fois. Je t'écoute. Ça n'a jamais été mon intention de vous offenser. Donald et moi, on s'est rencontrés il y a très très longtemps. On s'est mariés. Mais il a cessé de me tromper. Sous prétexte que je ne pouvais pas lui donner d'enfant. Il ne pouvait pas divorcer. Parce que la loi était de mon côté. Alors il est devenu étrange. J'ai découvert le mois dernier qu'il s'est acheté une nouvelle maison pour vivre avec une nouvelle femme. Eh bien, je suis vraiment désolée pour vous. Alors, comment avez-vous découvert mon histoire avec lui? Je suis désolée. J'ai payé quelqu'un qui m'a donné l'information. Donald et moi avions passé près de 9 ans ensemble et pensé qu'il veut m'abandonner pour une autre, sans jamais.
Je me rassurerai de le détruire avant que ça n'arrive. Eh bien, je suis désolée de ce que vous avez enduré avec lui. Mais, rassurez-vous, ma fille et moi ne voulons pas faire partir de vos problèmes. Merci. Merci d'être venue. Ok, bonne journée. Je l'accompagne à la porte. J'aurais dû déchirer. Vas-y, ferme-la. Il semble que le ciel t'est tombé dessus. Comment faire pour ne pas ressentir ce que je ressens? Ok. Écoute, princesse, si quelqu'un avait eu réponse à ta question, il y a bien longtemps, il aurait proposé une solution. Mais pourquoi les hommes sont-ils autant menteurs? Ah, tu veux pas la dire que ton grand-père que je suis était un menteur? Écoute, si ma charmante épouse, ta grand-mère, était encore en vie aujourd'hui, t'entends que parler comme ça l'aurait rendu malade. Tu vois, elle ne le supporterait pas. Tu dis toujours que grand-mère et toi aviez eu une belle vie. Ah oui, nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Ma beauté Angélie. C'est ainsi que je l'appelais, tu vois. Écoute, l'amour est une chose formidable. C'est une belle chose. Ça doit vraiment exister de génération en génération. Vrai. Mais devine quoi? Quoi? L'homme ou la femme ne peuvent pas parvenir individuellement. Ça doit être une fusion des cœurs qui allume cette flamme qui alimente l'amour. C'était le cas de Sean, mais... Ma chérie, mais quoi? Toutes ces choses terribles que j'ai découvertes sur lui. Oh, ma chérie, tu es une fille intelligente. Et ne me dis pas que tu n'as jamais cherché à savoir si ce qu'on dit de lui était fondé avant de tirer une quelconque conclusion. Mais tu as dit que tu y croyais. Oh, donc je devrais être ta tête et ton cœur qui devraient travailler ensemble. C'est ça. Tu me rends confuse. Ok. Eh bien... Ah, ça veut dire que... Tiens, une souris, ça vient de la cuisine. Ma chérie, je peux te rassurer qu'il t'aimerait. Mon amour, écoute, peut-être que le grand-père aussi confus. Je pensais sincèrement assez bien connaître Sean. C'est la vie. Sinon, tout ira bien. Tu me rends confuse, grand-père. Ok. Tu sais, parfois la vie nous réserve... des moments tellement difficiles. Et je sais que tu es pleine de courage. Ça va aller.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je l'ai invité. Pourquoi sont-ils là, grand-père? Écoutez-moi bien, il n'y a pas de temps pour des questions. Allez, asseyez-vous, le repas va se refroidir. Eh bien, Jean, je pense que voici l'opportunité que tu attendais. Merci, monsieur. C'est un malentendu. J'ai perdu mon téléphone et la seule fois où je pouvais t'en informer était le jour où tu m'as vu avec ma cousine. C'est ta cousine? Mais je vous ai vus tous les deux. Non, je suis sa cousine. Oui, c'était mon petit plan. Sean m'a dit que tu n'es pas le genre de fille qui est jalouse. Alors j'ai voulu lui montrer que toute femme l'est. C'est pourquoi il ne m'a jamais présentée comme sa cousine. Peu importe, ma fille n'a rien à voir avec un violeur ou un meurtrier. Madame, je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais je ne suis pas ce genre de personne. Menteur, nous avons des preuves concrètes. Même si ta famille a dû tout faire pour te libérer de la loi, notre famille n'a rien à voir avec toi, absolument rien. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais... Peut-être je peux t'aider. Écoute, oui, il y a eu viol et meurtre, mais le jeune homme ici présent était innocent. Tu ne penses pas que je laisserais ma précieuse petite fille répéter les mêmes erreurs du passé? Non, non, non. Regardez. Sean a été victime des actes d'un homme qui pensait être son ami. C'était une fête entre amis. On avait trop bu. Mes amis et moi, mes camarades de chambre en fait, ils étaient avec cette fille. Ils sont partis ensemble. Et subitement, je les ai entendus se battre. Et le temps de reprendre mes esprits, de voir ce qui se passait, elle était déjà morte. Comment as-tu fait pour t'en sortir de ce drame? Eh bien, le détective qui s'occupait de mon cas avait suffisamment de preuves pour me libérer. Tania, tu m'as toujours demandé pourquoi je n'ai pas d'amis. Voilà ta réponse. Monsieur, nous aimerions prendre congé. Vous n'avez pas fini votre plat. Oui, monsieur. Je sais, je voulais juste éclaircir ces malentendus. Merci beaucoup. Rita, allons-y. Sean! Je t'aime, Sean. Je t'aime aussi. Ok, monsieur. Ce n'est pas pour vous une façon de vous comporter. Oui, monsieur. Vous êtes encore tous les deux sous mon approbation. Tu comprends? Eh bien, écoute, ma chérie. Tu peux maintenant comprendre pourquoi je voulais qu'elle explore la vie. Regarde-les. Oui, ton grand-père a raison. Je n'aurais jamais dû te juger par rapport à mes expériences personnelles. Ce n'est pas grave, maman. Nous savons ce que tu as traversé. Eh bien, je vous promets de prendre bien soin d'elle et de la respecter. Et cette famille. Je promets. Je promets. Je promets. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Viens par là. Ok. Prends soin de ma fille. Je le ferai. Je compte sur vous. D'accord. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.